Aujourd'hui, du coup, c'est jour férié au Cambodge. C'est Phnom Penh. C'est le jour de, comme la Toussaint pour ici. Donc, ils se réunissent tous en famille. Puis, ils vont dans les pagodes faire des offrandes pour leurs ancêtres, pour les morts de la famille, pour essayer de leur rendre le karma le plus haut possible. Donc, c'est une fête bouddhiste. Et après, ils se réunissent dans les temples. Donc là, on est au Wat Phnom, le plus grand temple de Phnom Penh. Et il y a des singes. Des fleurs de lotus, ils en font offrande. On en retrouve un petit peu partout. C'est super ça. Est-ce que tu peux me lire? Marceau, est-ce que tu peux me lire l'histoire, s'il te plaît? Oh. Ah, des cadeaux! Alors, ce soir, je teste un nouveau resto pour fêter l'ouverture de mon compte en banque qui m'a pris une plombe. Alors c'est le barbecue plaza, donc c'est barbecue porc. Donc il y a des boulettes de porc, des tranches de porc, de crevettes. Là c'est du lard qu'il faut mettre sur ce barbecue avec la hotte qui est juste là. Il y a une petite soupe autour pour faire cuire la salade. Il y a du riz, piment, oignon, ail, des sauces. Ça apparemment c'est leur fameuse sauce secrète, la barbecue sauce. Voilà, on va goûter tout ça. Alors effectivement leur sauce secrète elle est juste terrible. C'est un goût de barbecue fumé à l'ail, enfin, c'est délicieux. Regardez comme c'est mignon. Alors l'odeur que ça dégage. Et ça c'est magique quoi. Ça là, c'est vraiment magique. Alors franchement c'est une tuerie. Ils ont aussi une autre sauce avec des piments, avec des petits piments verts. Elle est juste délicieuse. Faut aimer le spicy, mais... un délice. Alors, j'ai envie d'acheter un canapé lit, là. Couleur un peu beige pour mettre dans la chambre des garçons et puis quand on reçoit des gens. Et si c'est bien, c'est dans un mode. Donc ils m'ont offert une bouteille d'eau à l'effigie du magasin. J'ai payé 120$, je trouve ça plutôt bien. Ils ont des trucs plutôt classe parce qu'il y a même. Après, faut aimer la déco un peu asiatique. Ça, c'est leur type de déco. Ils ont même des tables basses de salon avec la plaque vitro-céramique intégrée. C'est un truc de malade. Et alors le problème, c'est que tous les lits enfants, ce sont des lits doubles. Tous. Petite mise à jour, on est le 1er octobre. Bonjour à tous, bienvenue en octobre. Cette semaine, je n'ai pas filmé parce que ça a été une semaine chargée, au boulot, réunion, beaucoup de mise en place des projets. Beaucoup et puis le soir fallait toujours courir à droite à gauche pour la banque, assurance, trouver des trucs et des trucs. Tout se passe bien, l'installation s'est bien passée. Aujourd'hui j'ai acheté sur le bon coin cambodgien un four. Les travaux au niveau de la maison qui devaient être finis ont été faits. Donc les deux salles de bain sont maintenant étanches au niveau de la douche. Les portes s'ouvrent et se ferment, tout a été raboté. Voilà.
la famille arrive le 20 octobre, donc dans 19 jours. Et j'ai mon scooter depuis avant-hier, ça y est. Donc là, je suis un peu plus libre de mes mouvements. J'ai toujours pas été à la piscine, j'ai toujours pas eu le temps. Là, on va aller faire un petit peu de shopping. Il me faudrait une housse de couette. Je dois récupérer ma carte bleue. Et voilà. C'est déjà bien pour un samedi. Et on va finir le ménage. Ce matin, j'étais motivé à 8h. Je suis en train de faire la salle de bain à fond. Mais là, j'ai plus. Allez, ciao! Alors, aujourd'hui, au final, je suis parti toute l'après-midi. J'ai fait quasiment 2 heures de scooter. Et hier, j'ai commandé un canapé lit qu'on devait donc me livrer aujourd'hui, au matin. On ne me l'a pas livré, donc j'ai dit, c'est pas grave, je pars quand même cet après-midi. Je ne vais pas me bloquer la journée pour la livraison. Donc, j'ai prévenu la réception que j'allais recevoir un canapé. Ils ont dit pas de soucis, on vous le fera monter dans votre chambre. Entre temps, j'ai les livreurs qui m'envoient des photos d'eux, comme quoi ils m'attendent. Donc j'arrive à rentrer en contact avec le magasin qui me dit ok, bah, comme vos clés sont à la réception, on va vous le faire déposer dans votre chambre. Je dis dans la plus grande, ok, il sera mis dans la plus grande. J'arrive donc à l'appartement. Il n'y a aucun canapé. Ou alors, ils l'ont caché. Mais enfin, il n'y a rien. Alors, canapé suite mise à jour, il est arrivé. Ils sont venus me le monter dans la chambre. En fait, la dame de la réception a appelé celle qui s'occupait de me le vendre. Elle disait que c'était... Elle n'a pas répondu. Donc elle a appelé le livreur. Le livreur m'a dit on l'a laissé derrière la cabane du gars de la sécurité. Donc ils sont venus me le monter dans la chambre. Mais qui sont gentils. Gentils. Voilà. J'ai acheté mon premier four sur le bon coin tout à l'heure. Je crois que j'ai déjà dit. J'ai pu. Je viens de mettre un peu la clim, là j'ai un peu chaud. Et après, petit film, faire à manger et au dodo. Parce que demain, une grosse journée. Voilà, il est monté dans la chambre des garçons. On va servir un surtout lit d'appoint pour les gens qui viennent, mais vous voyez pas mal. Bon, les coussins, c'est pas du tout mon style, mais voilà. Ça, c'est tous les petits jouets que j'ai achetés qui attendent les garçons sagement. Allez, manger. Ah non, il me reste ça à monter, c'est la table apparemment.